Ici, il y a deux termes, mushrik, polythéiste, associateur, kafir, mécréant ou infidèle. Tout mushrik est un kafir, qui fait du shirk akbar, bien sûr, pas celui qu'on appelle mushrik, qui fait du shirk asrar. Est-ce que tout kafir est un mushrik? Il y a divergence entre les savants. Certains considèrent que mushrik et kafir, c'est le même sens. Mais quand on regarde avec plus de précision, chacun a un sens propre à lui. Le mushrik, c'est celui qui est kafir du fait qu'il donne un associé à Allah tabaraka wa ta'ala dans son adoration ou dans sa seigneurie, subhanahu wa ta'ala. Amma al-kafir, ça peut être quelqu'un qui ne lui donne pas d'associé, mais il ne croit pas en lui, par exemple. Un athée qui ne croit pas en Allah. En réalité, oui, il a associé à Allah ses passions, sa raison. Donc c'est pour ça que ceux qui disent que c'est la même chose, c'est par là. Ils disent quoi qu'il en soit, il a associé à Allah, car il a devancé ses passions. Et il a associé, il a mis ses passions et sa raison comme une divinité.